hypnotize. If I close my eyes and think about us, I can see. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super bien. Comme promis, je vous reviens avec une nouvelle vidéo où on va faire la déco d'automne. Donc, j'ai sorti toute ma déco, je l'ai mise sur la table. Donc, j'ai des anciennes décos et j'ai rajouté quelques articles pour cette année aussi. Avant ça, je vais vous présenter le sac qui m'a été envoyé par la marque Teddy Black. C'est une marque avec laquelle j'ai fait plusieurs collaborations maintenant. Donc, ils m'ont envoyé un nouveau sac. Je vais vous le présenter. C'est des sacs de qualité, des sacs italiens faits à la main, 100% cuir. Donc, sur le temps, vraiment, ils ne s'abîment pas. Ils restent impeccables. Du coup, je le déballe et je vous montre. Cette fois-ci, j'ai pris la couleur bleu marine que j'adore. Et vraiment, ça s'est marié avec presque tout. Donc, c'est super cute. J'aime beaucoup. Alors, pour la saison d'automne, ils ont jusqu'à 15% de réduction sur leur site internet. Et j'ai aussi un code rabais pour vous si jamais vous êtes intéressé, bien sûr. Vous avez 30$ de réduction. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. Tout leur sac vient avec une bandoulière. Donc, c'est très pratique si on veut le mettre à l'épaule. Du coup, je vais l'installer puis je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Franchement, j'adore la couleur. Je suis habillée tout en noir et vraiment le sac ressort très bien. J'aime aussi l'intérieur, il est quand même assez grand, assez large. Le sac est super cute, vraiment, il n'y a rien à dire, j'adore. Alors, je vais déballer maintenant mes bijoux qui viennent de la marque Analusa. Donc, Analusa crée des bijoux black et or de très bonne qualité qui ne ternit pas avec le temps. En tout cas, moi, je le porte au quotidien. J'ai des bijoux que je porte vraiment tous les jours. Je dors avec, je me lave avec, je fais la vaisselle avec. Donc, super beau. J'ai choisi ces colliers-là avec un pendentif en cœur que j'adore aussi, c'est super cute. Donc là, je vous montre de plus proche. Ils ont vraiment des pépites, allez-y sur leur site internet. Si jamais vous cherchez des bijoux de qualité, les temps des fêtes arrivent, ils ont des prix abordables aussi. Du coup, j'avais choisi deux colliers, je suis en train de déballer le deuxième paquet. Et aussi, ils ont changé le packaging, j'aime beaucoup, vraiment, c'est très mignon. Alors, le deuxième collier que j'ai choisi, il est toujours plaqué or. Il a un pendentif en demi-lune que j'aime bien. Franchement, je vais vous montrer de plus près. C'est des beaux bijoux en tout cas, très légers, pas trop encombrants, vraiment très élégants. J'adore. Franchement, je vous laisse toutes les informations en barre d'infos. Si jamais vous êtes intéressé, voilà, ils ont des réductions sur leur site. Donc là, on va attaquer la vidéo. Du coup, je vais vous montrer un peu l'état de mon salon présentement. J'ai les anciens rideaux que j'ai enlevé déjà pour les laver. Donc je lave d'abord les rideaux voile, je vais mettre dans la machine, ça c'est quelques jours avant. Du coup je vais les laver et je vais changer aussi les rideaux pour la nouvelle saison. Donc on va commencer par installer les rideaux voile et ensuite je vais vous présenter les nouveaux rideaux. On va dire que ça c'est la suite de la vidéo précédente. Si vous l'avez pas vu, je vous mets dans les i juste en haut de l'écran. Dans la précédente vidéo, j'avais vraiment enlevé tous les tapis pour les laver et là j'ai nettoyé les rideaux et voilà, je suis en train de déballer le nouveau rideau. C'est des rideaux de couleur naturelle. Alors ils me viennent chez Amazon de la marque Nice Tone. Donc c'est une marque avec, avec laquelle j'ai fait plusieurs partenariats déjà. Ils ont des rideaux de bonne qualité. Mais là, ce n'est pas un partenariat. Je les ai payés sur Amazon. Du coup, je vais les installer et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas, pas passé le fer à vapeur. Je l'ai fait le lendemain parce qu'il commençait à se faire tard. Je n'avais pas eu assez de temps pour le faire dans la vidéo. Donc les rideaux sont un peu froissés. Ce n'est pas grave, ça a été fait déjà, mais pas dans la vidéo. Du coup, voilà ce que ça donne pour les rideaux. J'aime beaucoup. Vu qu'ils sont opaques, donc quand on est à l'extérieur, on ne voit pas l'intérieur non plus. Ça c'est bien, ça donne une bonne intimité. Je vais passer vite fait l'aspirateur avant de placer mon nouveau tapis.
Là, je vais déballer mon nouveau tapis qui me vient de la marque Rogue's Way. C'est une collaboration. Du coup, je choisis un tapis beige avec des motifs super beaux et très léger, vraiment très, très doux aussi. Et c'est lavable dans la machine, ce qui est super pratique. Donc, je vais déballer ça et je vous montre ce que ça donne dans mon salon. Voilà pour le tapis, il est vraiment de bonne qualité. Comme je vous ai dit, il est doux vraiment quand vous marchez dessus, là, très confortable. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des motifs, franchement, le tapis est très bien travaillé. Il n'y a pas de longs poils non plus, donc facile à passer l'aspirateur aussi. Du coup, là, j'ai commandé quelques affaires sur Amazon. J'ai un livre et puis aussi une bougie en forme de citrouille. Alors voilà, j'ai le livre et puis la bougie en forme de citrouille blanc et doré que j'aime beaucoup, c'est très mignon. Alors je vais nettoyer la table basse, ensuite je vais nettoyer aussi le meuble juste en face. Alors juste rapidement avant de passer à la déco. Pour la déco, j'ai choisi de changer la couleur de mon vase. En fait, j'ai changé la couleur de plusieurs vases. Ça, c'est le premier. Je le peins en noir. Et voilà, c'est la déco automne, Halloween. Du coup, voilà, je vais aller avec les couleurs un peu plus sombres. On va changer la couleur. J'ai pris la peinture en spray, plus facile. Ça prend franchement 2-3 minutes, c'est fait. Donc, sur la table basse, je mets un livre. J'y pose aussi mon vase. J'ai cueilli ces plantes-là, franchement, qui sont naturelles aux couleurs d'automne. J'aime beaucoup. Donc, je vais les arranger comme il faut et ensuite, je vais aller les mettre dans mon vase. Voilà, c'est que ça donne super cute, franchement. J'aime beaucoup. Naturel, vraiment aux couleurs d'automne. Voilà ce que ça donne pour la petite déco sur la table basse. Voilà, c'est super simple, très cute, j'aime beaucoup. Je vais venir rajouter ma bougie en forme de citrouille. Et ensuite, on va passer à l'habillage des coussins. Donc, j'ai pris ces housses de coussin avec des motifs de citrouille. Là, je les ai achetées sur Amazon. Donc, j'ai juste à changer la housse, en fait. Les coussins, je les avais déjà. Du coup, je vais installer les coussins et je vous montre de plus près ce que ça donne. Du coup, voilà ce que ça donne pour le canapé. Là, je vous montre comment j'ai changé aussi la couleur de ma lampe. Donc, je le peins aussi en noir. Vraiment, ça fait toute une différence. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai quand même mis deux couches. J'ai laissé sécher à l'air. Donc dehors, à l'extérieur. Et après quoi, 10-15 minutes, c'est bien sec. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne pour la lampe. Elle était de couleur dorée avant. Là, je l'ai changée pour du noir. Et je trouve que ça s'agence très bien avec les tableaux qui sont sur les murs. Les tableaux sont de couleur blanc, noir et doré. Franchement, je trouve ça pas mal. Et puis j'ai les lampes aussi au-dessus du tableau. Les lampes sont noires. Et franchement, je trouve que ça fait super élégant, super classe.
Là, je vais installer le GT sur le canapé. Alors, il me vient de chez Amazon. Il a deux couleurs, le côté blanc et le côté noir. Je l'installe du côté noir. Je trouve que ça fait un bon contraste. En tout cas, c'est très mignon, le contraste de mon canapé et puis le GT noir. Franchement, c'est super beau et ça se marie avec le restant de la pièce. En fait, j'ai plus misé sur la couleur noire, la couleur brune. Et vraiment, je trouve que le résultat est pas mal. On va passer au niveau du meuble. Je vais mettre deux livres. Ensuite, je vais mettre une citrouille et un collier de décoration. Voilà, pour ces coins-là. Et l'autre coin, je compte mettre les trois bougies que j'ai. Alors, je vais mettre ça dans l'autre coin. Voilà ce que ça donne. En tout cas, une petite déco très simple, très minimaliste. On passe au niveau de la salle à manger. Je vais faire pareil. Je vais commencer déjà par installer les voiles. Ensuite, je mets deux panneaux de rideaux occultants. Donc, c'est parti. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Je commence par nettoyer la table à manger et ensuite on va passer à la déco. Donc je vais mettre un chemin de table que j'ai depuis des années. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais utilisé ça. Alors voilà, je vais l'installer. Ensuite, je viens mettre un plateau en osier que j'ai aussi. Ça fait un certain temps. Je l'installe là. Je vais mettre deux grosses bougies. Ensuite, je vais mettre des citrouilles tout autour. On va terminer avec une petite déco des petites plantes d'automne, on va dire. Alors voilà ce que ça donne. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire au niveau de la table à manger. Je l'ai faite comme ça. Puis je trouve que le résultat est pas mal. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go. Voilà ce que ça donne pour la petite déco au niveau de la table à manger. Franchement, pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer la petite citrouille que j'ai achetée en magasin chez Canadian Tire. La citrouille est de couleur orange. J'ai pas aimé la couleur. Du coup, je vais changer une fois de plus la couleur. On va peindre ça en noir et je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous allez voir aussi que j'ai peint aussi un autre vase qui était blanc. Je l'ai peint également en noir. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Du coup, on va passer à la déco au niveau de mon étagère. Là, j'ai mis le vase noir. J'ai également mis des plantes que j'ai cueillies qui sont très naturelles aux couleurs automnales. Franchement, je trouve ça super mignon, le contraste de couleurs et le vase noir, c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Je vais ensuite installer la citrouille que j'ai peinte tout à l'heure. Alors, c'est une citrouille qui s'illumine avec la lumière intégrée à l'intérieur. Franchement, les résultats sont quand même pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, je viens déposer un support à livre et je vais mettre un livre par-dessus. Au niveau du bas, je vais juste installer mon panier en osier. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon meuble étagère. Franchement, très simple, pas chargé. Je vais vous faire le petit tour de ma déco. Voilà.
le avant, le après. Et ensuite, on va passer à une petite motivation ménage. Et ensuite, j'ai une petite recette de gâteau aux bananes à partager avec vous. Donc, c'est parti! But it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma petite déco d'automne. J'ai bien hâte de vous lire. Alors, on va passer à la petite motivation ménage. En fait, c'est un nettoyage de mon tapis. Donc, le tapis que j'ai sorti du salon. J'ai sorti mon aspirateur nettoyeur. Donc, je vais nettoyer avec ces produits-là. Du coup, je vais mettre le produit dans le réservoir. Alors, je profite vraiment avant l'arrivée de l'hiver pour nettoyer mes tapis. Il y a encore un petit soleil dehors, du coup, je profite. Je vais mettre directement le produit sur les taches que je vois, les taches ténaces. Ensuite, je vais prendre la brosse, je vais frotter vraiment pour enlever toutes les taches. Après ça, je vais mettre de l'eau sur les tapis et je vais passer mon aspirateur nettoyeur. Comme vous avez vu sur l'image, j'ai frotté les taches avec la brosse et ensuite j'ai mis l'eau sur les tapis et après ça je vais prendre vraiment l'aspirateur pour nettoyer vraiment le tapis dans son entièreté. Donc voilà, c'est comme ça que je nettoie les tapis. Ensuite, on l'a laissé sécher, ça a pris 2 jours vraiment pour bien sécher et ensuite voilà, tout est bien propre. A lock of gold, a secret smile, little things I remember. Plays a hand upon my heart as her, she was a believer. Sometimes I can feel her arms holding me as forever. Time changes. C'est parti pour la recette de pain aux bananes. J'ai utilisé la farine de blé entier. Du coup, j'ai mis ça dans un saladier. J'ai rajouté la levure chimique, le baking soda. Et donc voilà, je vais mélanger les ingrédients secs. Après ça, j'ai pris 2 bananes qui étaient très mûres. En fait, quand j'ai des bananes trop mûres comme ça, j'en fais des gâteaux. Voilà, comme ça, j'évite le gaspillage. Je vais écraser les 2 bananes avec la fourchette. Dans mon robot pâtissier, je vais mettre le sucre et le beurre. Je vais mixer le tout jusqu'à temps que la consistance change. Ça va doubler un peu le volume. Ensuite, dans l'assiette où j'avais écrasé les 2 bananes, je vais rajouter le lait. Voilà. Ensuite, je vais rajouter aussi du jus de citron et je vais mixer le tout.
Du coup, dans le robot pâtissier, je vais venir ajouter les œufs, je vais remixer le tout. Ensuite, je vais rajouter l'extrait de vanille. On va encore mélanger. Et ensuite, je vais venir ajouter les ingrédients secs, une cuillère à la fois. Donc voilà, graduellement, je rajoute les ingrédients secs et on va continuer à mixer. Ensuite, je vais bien graisser mon moule et je vais venir verser ma pâte à l'intérieur. Voilà, ça va être enfourné pendant quelques minutes dans le four. Je vous laisse de toute façon toutes les étapes en barre d'infos si vous êtes intéressé à reproduire la recette. Et voilà, c'était super bon. Franchement, un bon gâteau fait maison. Et voilà, pour éviter les gaspillages, si vous avez des bananes très mûres que personne ne veut manger, alors faites-en des petits gâteaux. Voilà ce que ça donne pour le gâteau. Il était succulent. Alors voilà. Du coup, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aller sur le site internet de Anna Luisa si jamais vous voulez offrir un joli cadeau pour le temps des fêtes. Donc, ils ont des pépites. Vous ne serez pas déçus. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.